Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Volkswagen Up de Philippe qui va nous faire le détail de la voiture et qui va nous expliquer un peu son usage, son utilité, s'il la trouve bien, s'il en est content, qui va nous donner pas mal de renseignements pour ceux qui seraient intéressés par un véhicule électrique urbain. Bonjour Cédric. Bonjour. Écoute, je vais te présenter aujourd'hui la Up. Ouais. Donc la Up. C'est une adaptation électrique d'une thermique, hein, puisque la gamme existe aussi en thermique. Hein. Alors, cette voiture, que dire ? C'est la deuxième évolution de la Up électrique qui est apparue de mémoire en 2012, je crois, qui avant avait une toute petite contenance batterie, puisque je crois que c'était 19 ou 20 kWh. Maintenant, c'est 35 kWh, dont 32 utiles. Peut-être déjà préciser son segment de marché. Hein. C'est donc ça, il ouais. s'agit d'une micro-citadine. Hein. C'est-à-dire les micro-citadines, c'est à peu près 3,50 m, 3,70 m. Cette micro-citadine, elle a une autonomie, on va commencer par le plus pessimiste, hein, vraiment l'hiver, au plus froid. On est entre 200 et 220 km. Et actuellement, dans les conditions les plus favorables, puisque nous sommes là à la rentrée et qu'aujourd'hui il fait beau encore, c'est le plus que nous sommes allés, c'est 330 km. Alors je vais préciser c'est peut-être. Pas mal. C'est pas mal. Je vais préciser peut-être ce que c'est que les 330 km. Ouais. Donc nous en servons essentiellement pour aller au travail. Nous avons 50 km aller-retour. Et nous avons à la fois de la nationale, de la 4 voies. Et du centre-ville, un peu de centre-ville à faire. Donc on a vraiment un panel intéressant. On a une autonomie aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et compte tenu de ce que je viens de dire, ce type de chemin, de route, eh bien nous avons, on peut arriver jusqu'à 330 km, mais j'ai cru comprendre que certains arrivent même à aller un petit peu plus loin encore. Donc, oui, en ayant vraiment une conduite éco, par contre, je suppose. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport... avant, on a eu, pour faire les mêmes trajets, on a eu des Zoé 22. On a eu deux Zoé 22, qui, elles, n'étaient pas des micro-citadines, mais des citadines. Le gros avantage de la Up, je dirais, c'est sa légèreté, évidemment. Elle ne fait que 1200 kg. Ça peut paraître beaucoup pour une micro-citadine, mais pour une micro-citadine électrique, c'est vraiment très peu, 1200 kg. La 83 chevaux puissance, ça veut dire que par rapport à la Zoé 22, elle est nettement plus performante hein, en accélération, donc elle est très très vive, les accélérations sont vraiment très très agréables, et puis vous avez surtout la sensation de pouvoir vous garer partout, vous faufiler partout, parce qu'elle a vraiment un petit gabarit. Et puis moi je dirais que pour les gens qui veulent rentrer sur l'électrique et qui n'ont pas ou qui ne veulent pas pour l'instant aller sur des véhicules électriques avec des grosses autonomies, au moins avec celle-ci, vous pouvez, pour la deuxième voiture, hein, celle qui sert tous les jours pour aller au travail, franchement, c'est une voiture, la voiture idéale. Vous avez quatre places, hein, pas cinq, mais quatre places. Et puis, donc, cette agilité, vraiment, elle est amusante. Moi, je prends beaucoup de plaisir à son volant. Elle est vraiment très amusante. Et je précise que pour le prix, hein, peut-être on va revenir au niveau prix. Donc, celle-ci, c'est le haut de gamme de chez Volkswagen. Hein, donc, elle est à peu près, elle est, je crois, à 20... Alors, une fois remisée, hein, une fois remisée, et puis avec un bonus écologique, celle-ci nous a coûté 18 500 €. Oui, OK. Mais sachant que si vous allez la chercher chez Seat, c'est strictement la même, il y a juste la calandre qui change et un peu quelques options qui sont un petit peu moins premium pour la Seat, mais c'est là à 98%, c'est la même voiture chez Seat. Vous pourrez commencer, je pense, vers 15 000 € avec le bonus écologique et puis une négociation de tarifs également. On n'est pas loin du prix de la Dacia Spring au final. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour alors, j'ai pas essayé la Spring, mais sur ce que j'en ai lu, je pense que la grosse différence se situe alors un petit peu au niveau autonomie parce qu'elle a une meilleure autonomie
la Spring. Et puis je pense surtout au niveau performance, au niveau vivacité, accélération, oui, parce qu'elle a le double de chevaux d'une Spring, quoi. Et on commence à en trouver d'occasion, que ce soit chez Seat ou chez Volkswagen. Et effectivement, on se rapproche d'un prix en neuf d'une Dacia Spring. Bon, après, il y a l'avantage d'avoir une petite citadine électrique, c'est les économies de carburant, je suppose. Tu la recharges essentiellement à la maison ? Oui, tout le temps. Alors, quelles sont ses capacités de recharge ? Elle peut recharger en courant alternatif en T2 jusqu'à 7,2 kg. Okay. Mais elle a aussi un port combo CCS, donc en courant continu. Et en courant continu, elle sera au maxi à 40 kWh. D'accord. Voilà. À 40 kW. Donc, pour la capacité de sa batterie, hein, de 35 nominales et 32 utiles, elle recharge vite. Alors, on s'en est jamais servi sur Combo, parce que nous, elle sert vraiment pour faire le même chemin, j'allais dire. 6 fois par semaine, elle fait le même chemin. Mais c'est tout à fait possible de partir faire quelques escapades avec, parce que surtout avec la saison actuelle. J'imagine, oui. Voilà, parce qu'elle autorise franchement une autonomie mais très très correct pour une micro-citadine et la plupart du temps qui va bien au-delà des besoins qu'ont la plupart des gens au quotidien, quoi. Oui, tout à fait, on est d'accord. Tu as une installation spécifique à la maison ou c'est une prise de 120 ou tu as tiré une install spécifique au compteur ou... Alors je fonctionne essentiellement donc, dans le garage avec deux prises, une classique et une green-up, c'est-à-dire une prise renforcée. Et ça suffit largement, pourquoi ? Bah, tout simplement... le câble de la e-up n'est pas très performant. Bon, on recharge en gros 8 ampères, c'est-à-dire 2 kg par heure. Mais ça suffit amplement. Ça veut dire qu'entre 22h30, où commencent les heures creuses, et 6h30 du matin, où elles se terminent, bah, on recharge l'équivalent de 100-110 km. Oui, ça te suffit pour ta donc journée. Ça suffit amplement. Et puis, donc j'ai un véhicule plus adapté pour les longs trajets. Je pourrais utiliser son câble de rechargement qui lui va jusqu'à 13 ampères et qui m'autoriserait sur les 8 heures des heures creuses qui m'autoriserait 170 km d'autonomie. Donc voilà, la grosse ne sert pas pratiquement pas en semaine, elle sert le week-end et les longs déplacements. Mais c'est celle-ci qui sert essentiellement. Mais même sur son câble, qui n'est pas très performant, voilà, récupérer une centaine de kilomètres en heure creuse pendant 8 heures la nuit, c'est largement suffisant pour la plupart des gens, quoi. Oui, voilà. On est d'accord. Pour les trajets quotidiens, ça ira très bien. Après, ce qu'on discutait hors cam tout à l'heure, je découvrais la voiture, hein, parce que je ne la connaissais pas. Mais ce que j'expliquais, c'est qu'on voit très bien que c'est une conversion d'une thermique à l'électrique. D'ailleurs, hein, je vous montrerai dans la vidéo, mais sur le capot avant, ben, on a le moteur. Hein. Et oui, parce que tu me disais qu'au final, ils faisaient une version thermique aussi. Du coup, ils ont gardé la même construction, ils ont juste adapté un moteur électrique pour la rendre électrique. Oui, c'est les premières expériences de Volkswagen en matière d'électrique. Hein, ça a été la e-Up et ça a été la Golf, la e-Golf. Ouais. Donc, ils ont utilisé des plateformes thermiques et ils ont adapté une chaîne de transmission électrique. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein, surtout pour ce qu'on lui demande. J'allais dire, c'est une voiture qui consomme vraiment très très peu, parce que à cette époque de l'année, vous êtes très souvent à 10 kWh, 11 kWh de conso moyenne. Donc elle est très économique, je dirais jusqu'à 90-100 km/h, et vous comprenez pourquoi quand vous voyez sa forme. Au-delà, évidemment, si vous êtes sur autoroute, 110, 120, 130. Là, par contre, les consommations montent très sensiblement parce que je dirais que ce n'est pas forcément son terrain de jeu. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le prendre, bien entendu. C'est l'autonomie qui va en pâtir un peu. Oui, tout mais à fait. Jusqu'à 90, franchement, il n'y a aucun souci. Elle remplit mais parfaitement son job et elle consomme vraiment très, très peu. Ah, moi, je l'ai en petite citadine, franchement, elle m'irait très bien. Le volume, la taille de la voiture fait que bah, tu peux t'insérer partout en ville, tu peux te garer facilement. Donc pour ça, c'est vrai que c'est super pratique. Exact. Après, hein, c'est rigolo parce qu'on retrouve un truc que j'avais oublié. Deux freins à main. Oui. Ah, c'est des petits détails rigolos. Donc, c'est une voiture électrique. Hein, donc, évidemment, vous avez l'équivalent d'une boîte auto, mais c'est pas une boîte auto. Hein, en fait, c'est simplement pour lui indiquer la marche arrière, le neutre et la marche avant. Ah oui, tiens, j'ai une petite question, puisqu'on est habitué à Tesla. Est-ce que tu as un mode de récupération d'énergie sur cette voiture ? Oui, ouais, oui. Alors, je vois que tu as filmé J'ai dit le B, là, c'est pour ça que t'es... voilà. Donc, soit tu es en D et tu as très, très peu de régénération, soit tu mets en B
Et franchement, pour avoir eu pas mal de voitures électriques depuis 5 ans, elle est assez étonnante en termes de régénération. C'est-à-dire qu'on peut, même si elle n'a pas de système e-pédale, hein, c'est-à-dire que les derniers mètres, il faut appuyer sur la pédale pour arrêter la voiture, vous pouvez, mais très très facilement, ne conduire qu'à une seule pédale. Hein. Il suffit d'un tout petit peu anticiper et on ne freine quasiment jamais. Bah, en plus, ça fait économiser les plaquettes de frein, c'est ce que j'aime sur les électriques. Niveau confort, t'en penses quoi ? Alors, j'ai été très surpris parce que c'est ma première Volkswagen. Et je m'attendais à quelque chose de ferme. Eh bien non, pas du tout. C'est pas ferme, je dirais. C'est relativement souple. Bon, c'est pas fait pour attaquer. Même ça reste si une petite citadine, voilà. On n'est pas sur une M3 ou une RS. Là. Même si elle tient très très bien la route, mais elle privilégie plus le confort. Et c'est vraiment très très agréable. Donc au niveau confort, non, franchement, rien à dire. C'est relativement souple, c'est très agréable. Et dans les petites routes dans lesquelles on a ici, eh ben, franchement, c'est très agréable. Bon, on va aller tester ça après. Oui, tu voulais montrer le coffre aussi pour qu'on ait une idée de du volume. Oui. Alors c'est pareil, ça reste une citadine, il faut juste qu'il y ait un volume acceptable pour aller faire les courses. Je te rappelle qu'elle a donc fait 3,60 m, oui, oui, quelque mais après, chose comme voilà, ça. Tu vas faire tes voilà. courses, tu... Alors une possibilité aussi, voilà, il y a une trappe, hein, on peut la mettre à différents niveaux. Et puis d'accord. Juste ici, si tu peux filmer, bah, il y a le câble T2 et il y a même, regardez le petit soin. Dash Qualitat, le petit parapluie Volkswagen qui est livré avec. C'est fourni avec ça. Voilà, qui est fourni avec, exactement. Même plus... dans la Tesla, on l'a pas celui-là. Voilà, et le kit si on crève, évidemment, qui est là. Qui est fourni aussi ou... Qui est fourni avec. Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais. C'est des petits détails qui se perdent, c'est pour ça qu'il faut appuyer dessus. Ouais. Et puis vous aviez la fonctionnalité un tiers, deux tiers, pour si toutefois... Vous avez besoin de la transformer en break. Hein. Donc, je suis comme toi, moi, j'ai une Tesla 3 aussi. Oui. Et la Tesla 3, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on a quelque chose de volumineux à déménager. Donc, ce que l'on fait, eh bien, tout simplement, c'est qu'on la met en break. Et puis là, bah, vous avez un volume, un vrai volume de coffre, parce que c'est un petit cube. Donc, on peut une machine à laver, ça tient. Voilà, c'est vraiment un petit déménageur très, très sympa. Ah, il y a une clé. Oui, il y a une clé, mais c'est énorme. Clés. Ah non, mais alors là, c'est... Je trouve ça rigolo ce mix mi-thermique, mi-électrique. T'as un peu des deux univers. Pardon, je me monte moi. Moi j'aime bien être. Donc tu vas appuyer sur la pédale. De frein. De frein, et tu vas aller jusqu'au bout encore. Et attends. Voilà, maintenant elle est prête à partir. Tu lâches, voilà. Oh. Ok. Donc tu vas appuyer sur le frein et tu vas te mettre en mode B. Mode B, c'est le mode où il y a le plus de régénération. Ok, donc on pourrait comparer à un mode, alors peut-être pas serrage, mais en tout cas rampage. T'es obligé de freiner. Oui, exactement. Par contre, ce qu'il me disait, là, il y a de la récup, mais ça freine pas. Non, mais en même temps, c'est exactement la même boîte que sur ma... Sur l'ancienne CHR. Exactement, ouais. Que sur mon hybride. Donc nous, le B, je connais. Le détail qui tue, t'as le frein à main. Et oui, t'as failli oublier. Ah. Et oui. Ça, c'est cool. Alors si tu veux, en mode rampage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, parce qu'elle a un bruiteur très désagréable. Un bruiteur. Ah oui, c'est affreux. Donc on va simplement supprimer le bruiteur. Et voilà, elle est totalement... Mais elle fait un bruit pour avertir les gens. Elle fait un bruit de vilain 3 cylindres. Voilà. Mais non. C'est marrant. Ah ouais, mais non. Du coup, au niveau... Non mais déjà, niveau, tu lâches. Je tiens rien. C'est comme une automatique. Exactement, bah, c'est... Oui, c'est un mode rampage. Donc elle avance toute seule. Bah, je monte juste l'intérieur un peu plus correctement. Donc bah, là, les gens qui n'aiment pas avoir que du tactile, ils vont être servis, puisqu'on retrouve tous les boutons, y compris sur le volant. Et on retrouve des compteurs à aiguilles, à l'ancienne. Ouais, mais là, mais on en est. Ouais, mais ça son petit... sur ce genre de véhicule, ça a son petit charme. J'aime bien. Là, t'as un frein à main, tu peux faire du drift. Comme si je faisais du drift. Tu peux vendre du rêve un peu. Non. Alors. Position de conduite. Alors, c'est chouette, dès qu'on aura passé le virage, ouais. Et que tu auras une visibilité sur la petite ligne droite, ouais. Tu vas accélérer à fond. On est à 3 adultes, mais quand même, tu vois, pour une micro-citadine, accélère. Vas-y. Tu vois que c'est sympa. Et on est à 3 adultes dedans. Ah ouais. Oui, oui. Ah oui, pour le coup, c'est terrible. Reprenez le contrôle, là. Je reprends le contrôle. Elle m'a dit reprenez alors le contrôle. Alors là, tu freines parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent pas ici. Donc, il faut faire attention quand même. On va éviter de mourir tout de suite. Voilà. Et tu vas tout droit. Je suis agréablement surpris du confort. Cette route, on l'a fait en arrivant. Du coup, je sais très bien qu'elle est pas top et accidentée.
Je m'attendais à pire avec une petite citadine comme ça. Ouais. Franchement. Et ouais, alors moi j'aime bien la, j'aime beaucoup la position de conduite. Oui, j'en étais sûr, ça fait SUV. Oui, on est assis. Voilà. On est assis et on n'est pas spécialement bas en vrai, hein. Ouais. On est plutôt bien assis. Bon, tu vois, t'es pas obligé de prendre une Y pour avoir une position. Eh ben non, exactement. Voilà. Alors après, faut. Mais non, mais après pour une petite citadine. Elle est très prévenante comme voiture. Ouais. La sellerie est vraiment bon maintien, confortable. Ouais. Les suspensions, ça avale beaucoup de choses. Mais franchement. Alors oui, moi qui suis critique sur le confort des voitures, je suis agréablement surpris. Alors là, on arrive à l'intersection, tu vas aller à gauche. À gauche. Oui, tu sais quoi, j'ai entendu. Des fois, je me demande. Mais je ne suis moi, pas. Je suis sourd, mais je ne suis pas sourde. Ok, donc il y a quand même un mode serrage, hein, parce que là, quand je. Oui. Tu es obligé les derniers mètres, tu es obligé d'appuyer sur la pédale de frein. Hein. Oui, mais je trouve que son frein régénératif est pas mal. Oui, pour une vraiment pas mal. Je disais tout à l'heure à Cédric que comparativement à la Zoé 22, on en a eu deux Zoé 22, on a l'impression d'être en roue libre tout le temps. Là, rien à voir. On est vraiment sur une décélération significative. Je ferme comme ça. Oui, mais après, elle a un comportement d'automatique, donc tu es obligé de freiner puisqu'elle a toujours tendance à avancer. Mais s'il y a un vrai mode régénératif, c'est déjà pas mal. Ah, oui, je t'assure, regarde, je relâche la personne derrière. Je te crois. Ouais, on sent qu'elle freine. C'est très net. Hein. Donc, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. En fait, quand l'aiguille passe dans le vert, on régénère. Quand on est dans le bleu, on consomme. D'accord. Ah, c'est bien fichu. Mais ça ressemble aussi à ce que tu avais sur le CHR au niveau des compteurs. Oui. C'est rigolo, il y a plein d'idées qui sont reprises de part et d'autre. Le rayon de braquage. Ah, mais franchement, nickel. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, ah parce que ouais. Je t'ai vu prendre le virage, là, j'ai dit, oula, elle m'a pas fait de remarque là-dessus. Mais non, mais elle braque super bien. Ah non, mais je m'attendais pas à ça au niveau confort. Ce que tu veux faire, Cédric, il y a le maintien dans la file aussi, tu vas s'appuyer sur le off. Voilà, voilà, comme ça va être beaucoup plus pratique. Pour Camille, elle va pas avoir à corriger. Ah mais ça c'est actif par défaut en fait le maintien oui, dans la voie. C'est-à-dire que dès que tu passes sur une bande blanche, ça te remet dans la voie. C'est assez désagréable donc je déconnecte oui. Toujours. C'est pas vrai. Moi je le. Pardon. Oula, j'avais pas vu arriver. Le drift. Pardon. Elle nous prend des virages de folie. Je ne suis pas voilà, sympathique avec vous. Eh ben franchement, ben regarde, tu vois, t'as qu'à voir. Hein. Je suis pas fan de petites voitures, mais celle-là en voiture urbaine, franchement, juste dès le démarrage, déjà, elle me plaît. Non, mais je fais exprès pour les virages de pas les prendre spécialement à deux, quoi. Et j'en reviens au prix aussi, je la trouve vraiment pas chère. Bah surtout si on l'achète chez Seat. Électrique. Seat, on est, une fois le bonus et on peut obtenir quelque chose sur le prix du neuf, hein, on est à 15 000 euros. Hein. Donc, oh, franchement, pour une... on est vraiment pas loin de la Dacia Spring. Bah oui, mais il y a, à mon avis, c'est autrement plus. J'ai pas essayé une Dacia Spring, hein, mais je pense que c'est autrement plus confortable celle-là. À mon avis, hein, je veux pas m'avancer. Mais... Je suis agréablement surprise. Ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout, à mon avis, la vivacité du moteur, hein, puisque là, on a le double de chevaux. Oui. Donc il y a pas photo. Quoi. En tout cas, Camille, ça a l'air de lui plaire. Elle se débrouille super bien au niveau du confort. On voit bien que les suspensions ben, sont vraiment pas mal, hein, puisqu'on n'est pas ballotté. Alors nous, justement, alors cette route, on l'a pris à l'aller avec la TM3 en se disant... Les suspensions sont plus dures, oui. Ça pique, c'est clair. Ça pique. Et là... Oui, c'est... Mais on est moins embêté. Elle est légère, on le ressent je sais pas. Elle, ouais, ça remonte moins. On le ressent moins, ouais. Non, c'est pour ça que je suis impressionné, ouais. Ah ouais, elle alors a un évidemment, braquage, on lui demande pas la même chose. Hein. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Une TM3, elle est très performante, donc c'est normal, elle doit être ses amortisseurs en des réglages assez fermes. Ici, on est sur une micro-citadine, donc on peut se permettre de privilégier la souplesse d'amortissement. Ouais. Et c'est bien agréable. Bah, c'est bien fichu, ouais. C'est carrément bien fichu. Très agréable.
Ouais, surtout que moi, dans d'autres vidéos que vous avez vues ou que vous verrez sur la chaîne, j'ai été autrement plus critique sur certaines voitures. L'ID3. Mais sinon, non, la Up, elle me surprend. Mais j'ai bien aimé l'ID3, mais c'est pareil, on n'est pas du tout dans le même. L'ID3, c'est pas une micro-citadine. Non, on en est d'accord, mais l'ID3. C'est un mini SUV. Non, mais pourquoi j'avais critiqué l'ID3? Parce que, grosso modo, en termes de prix, elle était placée au niveau tout de la. Fait. Enfin, celle qu'on a essayée avec les options qu'elle avait était placée en tarif au niveau de la Tesla Model 3. Et là, clairement, c'est non. 36 000 euros dans une ID3, non. Oui, ouais. Moi, elle me plaît bien. Ouais, le plus bien. Ah oui, pour une petite. Mais en plus, toi, pour les trajets que tu as à faire au quotidien, le genre de voiture serait parfait, franchement. C'est clair. Alors, entre parenthèses, tu ne m'enlèveras pas la TM3. Mais si on avait une deuxième voiture, oui. Il faut que je tourne tout droit. Allez. Oui, non, mais ça, oui, la Tesla, on n'y touche plus, j'ai bien compris. Mais. Mais je l'aime bien. Ah bah, tu vois, t'as fait une fan. Tu l'as convertie. 10 minutes au volant de la Up, c'est bon, elle part avec, quoi. Ah, mais je la trouve super agréable, en vrai. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en référentiel récent, on a eu quoi? On a roulé en Capture, on a roulé en C3, on a roulé en Clio. Franchement, sur des routes comme ça, sans être vexant, je me suis ruiné le dos, c'est des merguez. Et là, sur une route comme ça, qui est quand même pas clean, très accidentée, c'est impressionnant, impressionnant. Quand j'ai fait faire la céramique là, il n'y a pas longtemps, on est allé à un spectacle en C3. C'est des amis qui nous ont amenés. On a fait 50 bornes sur des routes comme ça. Je suis arrivé, j'avais le dos détruit. Avec cette voiture là, je me fais même pas de soucis en vrai. Et je dis ça parce que c'est une petite citadine qui est au prix d'une petite citadine en étant électrique. Là, bravo, bravo, franchement bravo. Bon alors, bilan de ce test? Écoute, une super petite citadine. Honnêtement, elle est super, elle est confortable, elle réagit super bien sur la route. Elle a des accélérations largement nécessaires pour ce qu'on lui demande, quoi. Ah non, mais moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Le rayon de braquage est excellent. Oui, je sais, c'est mon dada, le rayon de braquage. Mais je suis très agréablement surpris par la Up. Ouais. Bon, bah, c'est un très bon test. Merci Philippe pour le prêt de la voiture. On s'est bien amusé. Ce fut un plaisir. Et puis, si ça a permis à certains de venir aussi à l'électrique en primo-accédant, oui. Bah, ça sera une excellente chose parce que je crois que beaucoup de gens peuvent se retrouver à travers cette voiture et son rapport coût-prestation qui est, je pense, pas loin d'être imbattable. Ah oui, je plus sois. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on a été ravis de vous présenter la Volkswagen Up. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Les petits pouces bleus. Les petits pouces bleus. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!